Bonjour à toutes et à tous les gaffi-clubbeuses et gaffi-clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo de déballage, comme pour la Libelle, eh bien nous allons découvrir la nouvelle Bizy de chez Sibex. Malheureusement, je crains que ce soit comme sur la Libelle, que ce ne soit qu'un remake de la Cubit Plus All City, mais on ne sait jamais, alors on va déballer. Vous pouvez retrouver d'ailleurs juste ici le lien qui vous emmènera à la vidéo de la Libelle que j'ai faite juste avant. Sinon, si vous avez déjà cette poussette, comme d'habitude, dans les commentaires, laissez-nous s'il vous plaît vos expériences et vos avis pour aider toute la famille Gaffi Club. Je vous remercie. Bien sûr, le pouce, le partage pour faire vivre la chaîne et aider un maximum de parents et futurs parents. Merci d'avance. Donc, somme tout bon déballage, je me suis muni de mon cutter et de mon mètre pour mesurer et pour pouvoir ouvrir le carton. Nous irons tout à l'heure la peser une fois que je l'aurai sorti du carton. Alors c'est parti, on déballe. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, lors du déballage de la Libelle, on s'est aperçu que c'était finalement qu'une réplique, qu'un clone de la Pocket Good Baby. Donc du coup, on va regarder un peu ça, si c'est le même cas pour cette Bizy. Je dois avoir une All City qui traîne dans le magasin, donc comme pour la Libelle, on pourra à la fin de cette vidéo comparer les deux modèles pour voir si j'ai vu juste ou pas. Voilà, donc des plastiques, des cartons, la notice et des roues. C'est vrai que c'est plus pratique pour pouvoir avancer correctement. J'enlève tous les cartons. Hop, carton de protection pour éviter que le châssis se raille pendant le transport. Ok. Donc on peut constater que les roues sont sur roulement à billes. Ok. Je pense que la qualité des roues est identique au modèle Cubit Plus All City. D'accord, donc on retrouve les logos donc Sibex et la petite inscription Bizy sur le côté. Ok, donc alors oui, écoutez, je pense que c'est clair, vous l'avez tout de suite remarqué, on voit carrément la ressemblance avec la Good Baby. Hormis la capote qui me semble être un peu plus grande, ils reprennent la capote des Easy, ce qui est pas mal aussi. Les textiles sont repris de toute la gamme Sibex également. On peut noter la poignée qui est en simili-cuir, contrairement à la All City qui est en mousse quand le châssis est noir. On a un simili-cuir uniquement sur la Fashion Edition qui avait le châssis alu. Et la poignée donc camel, et ici la main courante camel. Autrement, mais écoutez, le mécanisme est identique, la façon de plier la longe de jambe, le réglage à l'arrière, le panier, le système de frein, les suspensions. D'ailleurs, je ne vais pas donc du coup revenir sur toute la cinématique de pliage, etc., tous les petits détails. Je vous invite directement à retourner voir ma vidéo sur la Cubit Plus All City, où donc vous pourrez voir tout ça en détail. Le harnais, bien sûr, c'est le harnais Sibex, mais les réglages des harnais en hauteur ici sont toujours identiques. Maintenant, en termes de dimension, bon, allez, juste pour la forme, mais on sait bien que ça va être les mêmes. Nous avons 42 cm de largeur et plié, nous avons une poussette qui fait environ 60 cm de haut sur donc 42 de large et sur... Alors on va la mettre comme ça, ce sera plus précis. Hop. Et sur 27 cm d'épais. Voilà.
On va aller la peser et après on va aller la comparer avec la Qubit Plus Soul City. Donc voilà, alors c'est très rapide, vous voyez, elle est déjà pesée. Donc elle fait 8 kg, d'accord. Celle-ci sur ma balance, ça fait 8,1 kg. Bon, je pense après, vous savez, des fois c'est pas super précis. On va dire qu'elles font le même poids, donc ce sont exactement les mêmes poussettes. Peut-être que le tissu ici est un peu plus lourd que le tissu ici, enfin bon, pour 100 grammes. C'est exactement les mêmes poussettes. Et on va les comparer, puisque j'ai les deux à vous montrer. Donc, on va les ouvrir, comme ceci. Là, tac. Et, bien écoutez, on va pouvoir comparer les capotes. Eh bien écoutez, vous voyez, c'est quand même carrément pareil. Hein, vous avez donc la main courante qui est identique. Donc là, vous avez remarqué, on est sur la Fashion Edition. Donc châssis alu avec les poignées simili-cuir en camel. Mais autrement, les réglages au niveau de la longe de jambe sont identiques. Ok. Les suspensions sont identiques. Également, le panier est identique, tout est pareil, hein. Voilà, je crois que le frein également est identique, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hop. Donc malheureusement, comme pour la Libelle, eh bien cette Busy n'est qu'une pâle copie de la Qubit Plus All City, avec bien sûr les textiles Cibex, les étiquettes Cibex, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Donc je suis encore une fois un peu déçu, je pensais vous montrer quelque chose de super révolutionnaire ou une vraie nouveauté, ce n'est pas le cas, mais au moins vous êtes au courant. J'espère que ça vous a plu les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui, là, parlera d'une vraie nouveauté. Bye bye !